Bonjour, bienvenue sur fmworld.fr et c'est Stéphane Prudhomme qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons faire une petite formation sur comment faire une commande en ligne. Donc, vous rendez sur le site d'FM Group France dans la rubrique boutique en ligne. Vous rentrez votre numéro d'identifiant ainsi que votre mot de passe de connexion. Donc là, vous avez le choix pour faire soit une commande individuelle ou une commande groupée. Donc nous allons aujourd'hui faire une commande groupée. Donc là, ça fonctionne de la même manière que si vous la faites individuellement. Ça ne change pas grand-chose, juste le fait que lorsque vous souhaitez passer une commande pour un de vos distributeurs, afin qu'il puisse avoir ses propres points. Donc, passer systématiquement par la rubrique commande groupée. Donc là, soit vous sélectionnez les divers produits que vous souhaitez chercher individuellement. Donc là, on va dire, on va prendre ça. Valider. Donc là, en dessous de chaque produit, vous avez le prix d'achat. Alors voilà, je vais revenir après en arrière. Le prix d'achat avec le point que comporte le produit, que vous retrouverez en haut. Donc, vos prix votre, le montant de votre commande ainsi que le nombre de points. Dans la collection classique, donc on va prendre un 232, un 234, on ajoute au panier. Donc là, pareil, hein, vous voyez le prix d'achat avec le nombre de points que correspond ce produit. Si maintenant vous souhaitez, vous avez un listing bien défini de produits et que vous n'avez pas envie d'aller les chercher individuellement, donc vous cliquez sur l'achat rapide. Et là, il vous suffira juste de rentrer le code produit ainsi que des quantités que vous souhaitez, etc. Donc à chaque fois, vous allez avoir votre bonne commande qui va être complétée. Donc là, un ballon de plage est offert. Donc là, au fur et à mesure, si vous avez des cadeaux, donc ils vont être stipulés sur votre bon de commande. Si vous souhaitez déduire vos commissions qui apparaissent dans votre rubrique coordonnées à côté de gains. Donc il suffira simplement de rentrer votre second mot de passe que vous aurez changé en même temps que votre mot de passe et de cliquer pour déduire vos commissions. Donc les commissions que vous avez gagnées les mois passés vont être déduites directement de votre commande. Pour passer une commande d'un de vos distributeurs, sur le compte d'un de vos distributeurs, donc il suffit de rentrer son numéro d'identifiant et de cliquer sur connexion. Donc là, vous allez tomber, donc vous voyez, sur une page avec son numéro d'identifiant. Donc là, vous avez la totale, le point, les points total ainsi que le montant de la commande qui s'affiche à gauche. Et maintenant, vous allez afficher les points de la commande de votre distributeur, ainsi que le montant que va comporter sa facture. Donc là, pareil, achat rapide. Etc. etc. Donc, quantité 5, donc parfum classique homme, numéro 110, le prix unitaire, hors taxe, TTC et le nombre de points par produit. Donc au total, ça fait 155 points. Pareil, si vous voulez utiliser ces commissions, il faudra que votre distributeur vous communique son mot de passe pour déduire les commissions. Donc là, vous voyez que au total, vous avez 667 points. À savoir qu'à 600 points, les frais de port sont gratuits. Sinon, ils vous coûteront 10 euros. Donc, lorsque vous avez fait comme ça, enfin, vous avez passé vos commandes pour vous, pour votre distributeur,
suffit de valider les conditions. Donc là, on vous précise comme quoi les frais de livraison sont gratuits parce que vous avez cumulé plus de 600 points d'achat. Alors, ou vous avez la possibilité de payer par virement bancaire, soit par carte bancaire. Alors, à savoir que si vous payez par virement bancaire, le colis ne pourra que quitter le dépôt lorsque le paiement sera arrivé à FM Group France. Donc cela risque de prendre plusieurs jours, étant donné que le temps que vous alliez faire le virement, que le virement arrive chez eux et tout, donc il y aurait des retards de livraison dans le cas où vous souhaitez avoir les produits assez rapidement. Tandis qu'à niveau de la carte bancaire, dès que le paiement aurait été effectué en ligne, les produits partent le jour même si la commande est passée, on va dire, avant midi 13h. Sinon, si vous la passez après 13h, comptez plutôt le lendemain où la commande partira du dépôt. En général, la commande met 24 à 48 heures après le départ du dépôt, arrivé chez vous. Donc là, vous rentrez les coordonnées de l'adresse de livraison. Pas oublier le numéro de téléphone, l'adresse mail des personnes qui ont participé, on va dire, à votre commande groupée, afin que chacun puisse avoir le récapitulatif de la commande que vous avez passée. Et une note, comme là, bon là je vais mettre ici commande, afin de les prévenir de ne pas en tenir compte. Donc une fois que vous allez valider tout ça, donc un récapitulatif de votre bordereau de commande avec le total à payer, donc de l'ensemble, ce sera uniquement la personne qui va passer la commande groupée qui pourra payer la totalité de la commande. Ensuite, vous verrez directement avec les personnes pour qui vous règlent à leur tour le montant de leur commande. Vous rentrez les numéros de votre carte bancaire. Une fois que vous avez validé, ils vont vous demander un numéro de carte de clé personnelle. En fait, cette carte, vous devez la demander à votre banque. C'est un service de sécurité qui permettra d'authentifier comme quoi c'est bien vous qui avez fait enfin, ce paiement en ligne. Donc, renseignez-vous auprès de votre banque. Suite au code qu'on vous demandera, donc un email de confirmation vous sera renvoyé dans votre boîte mail et il faudra reprendre ce code pour le remettre à nouveau à la suite de ce qu'on va vous demander là pour valider votre commande. Une fois que votre paiement a été effectué, donc si vous l'avez fait avant 13h, la commande sera préparée et envoyée le jour même. Sinon, au pire, le lendemain matin. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.